audience du président de la République ce jeudi 10 octobre. Le chef de l'État a échangé aujourd'hui avec Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies et président des Elders, venu évaluer les progrès réalisés dans le redressement du pays. La Côte d'Ivoire et l'Union européenne viennent de signer une convention à Bruxelles. La délégation ivoirienne était conduite par le ministre des Ressources animales et halieutiques. Avec cette convention, la Côte d'Ivoire va recevoir l'appui de l'Union européenne pour relancer le secteur de la pêche. En Libye, le Premier ministre Ali Zedane, libéré quelques heures après son enlèvement à Tripoli, le chef du gouvernement libyen de transition avait été enlevé tôt ce matin par un groupe armé à Tripoli. Aussitôt libéré, le Premier ministre libyen a appelé au calme. Et pour le dossier de ce jeudi, nous nous intéresserons à la campagne Café Cacao, officiellement ouverte avec le prix du cacao relevé à 750 francs CFA contre 725 francs l'année dernière. Bonsoir à tous. Merci de choisir le journal de RTI1. Direction tout de suite le palais présidentiel. L'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, président des Elders, vient d'être reçu par le président de la République, Alassane Ouattara, en visite de travail en Côte d'Ivoire depuis mercredi. La délégation des Elders, conduite par Kofi Annan, est venue évaluer les progrès réalisés dans le redressement du pays et discuter des défis qui restent à surmonter. Pour Kofi Annan, la Côte d'Ivoire s'est remise sur les rails pour accéder de façon rapide au développement et à la prospérité. On fait le point avec Viviane Aimé. Point d'orgue de la série de rencontres qu'il a eues depuis son arrivée mercredi en fin d'après-midi avec les responsables des institutions de la République impliquées dans le processus de réconciliation nationale, le président de l'Organisation internationale, les Elders, l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, a été reçu ce jeudi à 13h au palais présidentiel par le président de la République, Alassane Ouattara. L'échange avec le chef de l'État ivoirien boucle ainsi la série d'échanges sur la situation sociopolitique nationale que le président des Elders a eue depuis son arrivée à Abidjan. Fort des nombreuses avancées impulsées sous sa direction pour décrisper le climat sociopolitique national et favoriser la réconciliation, à savoir la tenue d'élections législatives transparentes et crédibles, la liberté d'activité des partis politiques de l'opposition, la libération des prisonniers politiques et le maintien de leur droit à la liberté d'expression, le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu le président des Elders, Kofi Annan, au palais présidentiel ce jeudi, en milieu de matinée. Je voudrais vous dire quel bonheur nous avons d'accueillir notre aîné, notre fierté, le secrétaire général Kofi Annan, qui a bien voulu accepter de venir nous rendre visite pour que nous puissions échanger sur le processus en cours en Côte d'Ivoire. Pas seulement le processus politique, mais une évaluation de la situation économique, sociale, politique, régionale. Comme vous le savez, le secrétaire général Kofi Annan a une telle expérience du monde entier de par les années passées au niveau de l'ONU, mais également au niveau de sa fondation. J'ai souhaité que nous puissions avoir la possibilité de bénéficier de ses conseils. Je suis impressionné par les progrès qui je vois autour de moi depuis ma dernière visite. Et j'espère que cet progrès va continuer. J'ai fait un appel à mes sœurs frères ivoiriens de travailler ensemble sur réconciliation, de construire l'État et vraiment accepter qu'il y ait un seul pays, un seul État de Côte d'Ivoire. On doit les protéger, on doit travailler ensemble pour construire cet État. Évidemment, il y a eu des passés, il y a eu des choses, mais il faut aller en avant. Dernier acte de son programme de rencontre au cours de son séjour en Côte d'Ivoire, le président des Elders, l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, devait rencontrer la presse ce jeudi après-midi.
Et justement, après l'entretien avec le chef de l'État, Kofi Annan a échangé avec la presse. Il a fait le point de sa visite en Côte d'Ivoire. Une course contre la montre. Kofi Annan, arrivé mercredi en Côte d'Ivoire, a multiplié les rencontres. Hier, avec son équipe, il a échangé avec le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, assurant l'intérim du premier ministre Daniel Kablan-Duncan en mission à l'étranger. On fait le point avec Sylvie Touré. Le président de The Elders poursuit ses rencontres avec les autorités ivoiriennes. Après le président de l'Assemblée nationale, Kofi Annan s'est entretenu avec une délégation du gouvernement conduite par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, assurant l'intérim du Premier ministre. Les échanges ont porté sur la question de la sécurité, du développement de l'emploi et bien évidemment de la réconciliation. Il y a eu beaucoup de progrès. La dernière fois que j'étais ici, il y a 18 mois, je encourage tout le monde de vraiment accepter de travailler ensemble. C'est le seul moyen d'aller en avant et créer un pays qui est stable et prospère. Le président de The Elders va poursuivre ses entretiens avec les autorités et la classe politique ce jeudi. Dernier jour de son séjour en terre ivoirienne. Une mission de 48 heures pour évaluer le processus de réconciliation et y apporter la contribution de son organisation. Retour sur la rencontre de Kofi Annan avec la presse. Comme je vous le disais, il a fait le point de sa visite en Côte d'Ivoire. Des progrès ont certes été réalisés, mais de nombreux défis restent à relever, selon l'ancien secrétaire général des Nations Unies qui invite tous les Ivoiriens à travailler à la paix. Le reportage de Gabriel Zani. Pouvoir et opposition doivent redoubler d'efforts en faveur de la réconciliation. C'est la principale recommandation du président de The Elders au terme de sa visite de 2 jours à Abidjan. Réconciliation, c'est un processus de longue durée. Pas un événement ponctuel. Le gouvernement et l'opposition doivent réaliser que des compromis sont nécessaires. J'ai dit à mes soeurs et frères ivoiriens qu'ils ont la responsabilité de travailler ensemble à la construction d'une Côte d'Ivoire qui n'exclut personne. L'avenir de la Côte d'Ivoire ne peut se construire sans la jeunesse. L'ancien secrétaire général de l'ONU appelle les autorités à se pencher sur la question de l'emploi. Kofi Annan a aussi fait un plaidoyer en faveur des victimes, des sans-voix, des personnes démunies. Notre première préoccupation doit être d'obtenir justice pour les victimes. J'espère que le retour de la croissance peut profiter à tous, surtout aux jeunes chômeurs. Conscient que réconciliation et justice sont étroitement liées, Kofi Annan encourage le gouvernement à persévérer dans la voie du renforcement du système judiciaire ivoirien. Il invite par ailleurs tous les Ivoiriens à laisser les juridictions nationales et internationales décider de l'avenir des personnes détenues. Nous sommes le 10 octobre aujourd'hui. La Journée mondiale de la santé mentale a été organisée aujourd'hui et c'est une initiative de l'OMS. Cette journée vise à sensibiliser l'opinion aux problèmes de santé mentale. À cette occasion, les discussions franches sur les troubles mentaux et les investissements dans les services de prévention, de promotion et de traitement sont encouragés. Thème retenu pour cette édition, la dépression, une crise mondiale. L'événement a été célébré en Côte d'Ivoire, à Bingerville. Les groupes de presse Fraternité Matin de Côte d'Ivoire et Sidoya du Burkina Faso signent un partenariat. Compte tenu de la convention, partager les expériences, compétences et informations pour le développement des deux organes, la signature du partenariat des deux groupes de presse pro-gouvernementaux a eu lieu en présence des ministres ivoiriens et burkinabés de la communication ici à Abidjan. Le reportage d'Herman Niamière. Les échanges d'informations entre le groupe Fraternité Matin de Côte d'Ivoire et Sidoya du Burkina Faso se feront désormais de façon officielle. Cette signature de partenariat entre les deux organes pro-gouvernementaux vient donner un contenu juridique à un partenariat qui existait déjà. À ces échanges d'informations vont s'ajouter désormais des échanges d'expériences et de compétences. On va essayer de mettre ensemble nos moyens, coopérer autant qu'on peut
échanger des journalistes, échanger des articles, échanger nos expériences dans tous les domaines, au niveau technique, au niveau managérial et tout, même au niveau de la documentation, numériser nos documentations. On aurait pu signer cet accord-là depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années, mais comme on dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ce matin, nous avons concrétisé quelque chose. On le faisait de façon informelle. Ça a été concrétisé ce matin. Donc, ça nous donne une base juridique pour faire des échanges, pour travailler ensemble. Les ministres ivoiriens et burkinabés de la communication qui supervisaient ce protocole d'accord ont souligné que ce partenariat s'inscrit dans le traité d'amitié qui lie les deux pays. Cet accord qui a été conclu donc le 29 juillet 2008 a été conclu alors même que les pays concernés sont des pays qui sont liés par des liens séculaires. Donc à la limite, on se demande pourquoi le traité a été signé. Mais il a été fait parce qu'effectivement, il s'agit d'États. Lorsque nous sommes des États, il faut qu'on s'organise. Nous avons beaucoup de choses à apprendre et nous avons le cadre du traité d'amitié et de coopération et pour développer et cette coopération qui va nous aider aussi à nous mettre à niveau dans beaucoup de secteurs. Pour marquer l'hospitalité ivoirienne, plusieurs cadeaux ont été remis au ministre burkinabé de la Communication et sa délégation. La Côte d'Ivoire et l'Union européenne viennent de signer une convention à Bruxelles. La délégation ivoirienne était conduite par le ministre des Ressources animales et halieutiques. Avec cette convention, la Côte d'Ivoire va recevoir l'appui de l'Union européenne pour relancer le secteur de la pêche. On en sait plus avec Hugues Véplé. Depuis le 9 janvier 2013, un nouveau protocole d'accord de pêche lie la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. La réunion de Bruxelles à laquelle a participé le ministre des Ressources animales et halieutiques a permis à la Côte d'Ivoire et à l'Union européenne de s'accorder sur la mise en œuvre du nouveau protocole d'accord. Le ministre Kobina Kwasi Adjumani l'a rappelé à Bruxelles, l'accord de pêche entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne qui évolue dans le temps a permis d'obtenir l'équipement des services de pêche ivoiriens, la mise en place d'opérations pilotes de suivi satellitaire, des activités de pêche, l'amélioration de la sécurité au port de pêche d'Abidjan. Nous souhaitons que la Côte d'Ivoire, compte tenu du fait que nous sortons d'une crise, soit vraiment prise en compte par l'Union européenne. Malgré les limites que connaissent les accords précédents, le ministre Kobina Kwasi Adjumani a souhaité que les actions à entreprendre dans le cadre du nouvel accord soient facilitées et appuyées par tous, afin que la Côte d'Ivoire ait 5 ans après des avancées majeures dans le domaine de la pêche. L'aéroport Félix-Houphouët Boigny de Port-Boué est visité aujourd'hui par le ministre des Transports. Gaoussou Touré est allé apprécier les efforts faits par l'autorité aéroportuaire en vue de l'obtention de la certification. On retrouve Hugues Vibli. L'aéroport d'Abidjan aura un nouveau visage. L'autorité aéroportuaire y travaille. Le ministre des Transports s'est fait longuement expliquer ce jeudi les innovations qui seront apportées à cet aéroport, mais aussi les contraintes techniques et financières que cela implique. Au nombre des préoccupations du ministre ce jeudi, la certification de l'aéroport Félix-Houphouët Boigny par l'aviation américaine. Nous sommes très satisfaits parce que le plus dur est derrière nous. Aujourd'hui, en matière de sûreté, en matière de sécurité, l'aéroport est aujourd'hui au point. Ce qui nous reste maintenant, c'est faire en sorte que l'ANAC soit classé en catégorie 1 au niveau de l'autorité de l'aviation civile américaine. L'aérocité d'Abidjan, ce grand programme de construction d'une véritable ville aéroportuaire dans le périmètre de l'aéroport Félix-Houphouët Boigny d'Abidjan, était au nombre des préoccupations du ministre des Transports. Gaoussou Touré a pu apprécier d'en haut tout l'espace réservé au projet. L'aérocité qui sera développée sur 3700 hectares et coûtera 1000 milliards de francs CFA enregistrent déjà des menaces. Il y a des constructions anarchiques qui poussent dans la zone aéroportière. Tous ceux qui sont en train de construire, ils sont dans l'illégalité. Et l'État ne les inerait pas sur les moyens pour qu'effectivement on puisse dégager les espaces pour qu'effectivement les investissements soient faits. Le ministre Touré Gaoussou est reparti de l'aéroport après y avoir passé un peu plus de 3 heures de temps, mieux imprégné des ambitions de ses responsables et avec une nette idée des appuis que devra apporter l'État à leur réalisation.
Une autre visite, celle du ministre Paul Kofi Kofi, chargé de la Défense. Il était dans les structures sous tutelle. Objectif, s'imprégner des conditions de travail et toucher du doigt les réalités de ces services. On en parle avec Abou Sanogo. C'est par l'atelier de la Marine nationale à Témoin, situé à Vridi, dans la zone portuaire, que le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, a entamé cette visite de travail qu'il a conduit successivement à l'inspection générale des armées au plateau, au secrétariat permanent de la Commission pour l'interdiction des armes chimiques en Côte d'Ivoire à Cocody et au fonds de prévoyance militaire logé dans l'enceinte du ministère de la Défense. Dans ces différentes structures attachées à son cabinet, le ministre en charge de la Défense a eu droit à des présentations suivies d'échanges relativement aux perspectives sur la réforme du secteur de la sécurité. Dans toutes ses directions et services, le ministre chargé de la Défense s'est félicité de voir ses hommes chaque jour à la tâche pour une armée au service de la nation. Il s'agit pour la structure visitée de l'ATEMA qui soutient les unités navales par l'entretien et la réparation des embarcations, de l'inspection générale des armées pour son apport précieux dans la lutte contre les barrages illégaux et le grand banditisme, du secrétariat permanent de la Commission pour l'interdiction des armes chimiques en Côte d'Ivoire, chargé du contrôle des points d'entrée, du conditionnement des produits chimiques et de la surveillance de leur utilisation sur les sites. Paul Kofi Kofi a également salué l'esprit d'anticipation des responsables du fonds de prévoyance militaire qui œuvrent au quotidien à la santé et au social des militaires. Le 10 octobre est une date consacrée dans le monde entier à la lutte contre la peine de mort. En Côte d'Ivoire, Amnesty International et d'autres associations ont organisé ce matin une conférence de presse sur la peine de mort. Ces associations invitent les pays qui n'ont pas encore aboli la peine de mort à le faire rapidement. Le reportage de Serge Ngomé est commenté pour vous par Patricia Mouitia. 140 pays sur 198 que compte le globe ont aboli la peine de mort. Malgré cet engagement, certains pays ont enregistré entre 2011 et 2012 plus de 600 cas de peine de mort, preuve que cette forme de condamnation continue de faire des victimes. En Côte d'Ivoire, la peine de mort n'existe pas dans la pratique, mais le code pénal contient encore des tests sur cette peine. Au risque de voir cette disposition juridique de la peine de mort prendre forme un jour dans la pratique, les associations des droits de l'homme réunies au sein d'une coalition contre la peine de mort en Côte d'Ivoire interpellent les pouvoirs publics à l'occasion de cette journée du 10 octobre consacrée à la lutte contre la peine de mort. Convaincus que c'est ensemble que nous gagnerons le combat pour le respect de la dignité humaine, nous avons révisé le code pénal ivoirien de sorte que toute référence à la peine de mort soit proscrite. Pour Amnesty International section Côte d'Ivoire, la peine de mort est absurde. C'est un processus qui est très dangereux en cas d'erreur judiciaire. L'on ne peut plus revenir en arrière parce qu'on note la vie à l'individu. Aussi, aucune statistique n'a pu prouver que l'application de la peine de mort permet la réduction de la criminalité. La résolution 62-149 adoptée par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, en Assemblée générale, le 18 décembre 2007, appelle à un moratoire sur les exécutions dans le monde. L'Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire tiendra du 13 au 14 décembre prochain son deuxième congrès ordinaire. Le comité d'organisation s'attelle déjà pour les préparatifs. Il vient donc de situer les enjeux. On en parle avec Mamadou Kouassi. Les 13 et 14 décembre prochains, se tiendra à Yamoussoukro le deuxième congrès de l'UDPCI, Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire. Ce rendez-vous sera également l'occasion pour les militants du parti Arc-en-Ciel de tenir le deuxième congrès des jeunes du parti, ainsi que le premier congrès des femmes de l'UDPCI. Avant ce rendez-vous, un comité de réflexion a été mis sur pied afin de plancher sur l'avenir du parti et sur la vie de la nation. Les réflexions portées entre autres sur la sécurité, la justice, le développement rural, les droits de l'homme et le foncier rural. Ces études seront validées au cours d'un pré-congrès qui se tient les 12 et 13 octobre 2013 à Grand Bassam. Le pré-congrès est donc un forum qui permettra à une large majorité des responsables de l'UDPCI, depuis la base jusqu'au sommet, de s'approprier, après analyse et discussion, les conclusions de ces rapports en leur accordant une première validation. L'UDPCI veut donc se donner le temps d'une réflexion mûrie, d'une analyse objective face aux défis futurs dans sa marche vers la conquête du pouvoir d'État. Créé en 2001 par feu le général Robert Guéhi, l'UDPCI veut jouer le premier rôle sur l'échiquier politique ivoirien.
Déjà, le parti compte 10 députés, 5 maires et un conseil régional. La Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire organise bientôt son premier forum. Selon la Fédération, ce forum sera une tribune pour échanger et discuter des questions liées aux tracasseries routières et à la cherté de la vie. Le reportage d'Abou Sanogo. Marchands, boutiquiers détaillants, demi-grossistes, grossistes, pisteurs produits agricoles, importateurs, exportateurs réunis au sein de la Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire se retrouveront les 21 et 22 octobre prochains à l'Hôtel Ivoire dans le cadre de la première édition du Forum de la Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire. Objectif, lutter contre la pauvreté par le commerce, trouver des solutions aux problèmes des prix élevés des marchandises et développer un cadre d'échange permanent entre le gouvernement et les acteurs du commerce en Côte d'Ivoire. Au cours de ce forum, nous allons débattre des phénomènes liés à la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Nous voulons quand même apporter notre pierre à l'édification de la Côte d'Ivoire nouvelle et à la relance des activités économiques de la Côte d'Ivoire. Le Forum des commerçants de Côte d'Ivoire se veut une plateforme d'échange et de réflexion. Il réunira tous les acteurs du commerce, les décideurs politiques, les partenaires locaux et internationaux autour du thème « Quel commerce ? Quel commerçant pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020 ?» Et ce drame dans la commune de Yopougon, au quartier Selmer, un incendie causé par une bouteille de gaz détruit 4 appartements sur un immeuble de 3 étages. Ce feu a tout ravagé sur son passage. Heureusement, pas de pertes en vies humaines, mais les dégâts matériels sont importants. Le témoignage de Franck Quadio. Pleurs et désolation à Yopougon-Selmer, 4 appartements partis en fumée. La petite Marie, élève, ne dormira pas au chaud cette nuit. Ses livres et cahiers et même des effets personnels emportés par les flammes d'un incendie déclenché aux environs de 16 heures. On n'a même pas pu sauver quelque chose. On ne sait pas où on va partir. Tous nos vêtements, tout ont brûlé là-bas, tous nos fournitures. Depuis combien d'années où on est presque allé à la retraite, là, tout est parti en fumée aujourd'hui. Là. Même pas, il n'est même pas pu se lever. C'est mon tout qui est là que vous voyez comme ça. La cause du sinistre, une bouteille de gaz qui a explosé dans cet appartement, selon la police présente sur les lieux. Des flammes vite circonscrites cependant par les secours. Les propriétaires de cet appartement ont barricadé avec des antivols, des portails métalliques. C'est vrai que la sécurité est importante, mais vous constatez qu'avec des situations pareilles, il n'est pas facile d'accéder. Tous ces appartements ayant des cuisines, vous voyez que les bouteilles de gaz ont été pour nous un facteur qui ne nous a pas permis d'accéder parce qu'il y a des dispositions à prendre. Cet incendie n'a cependant causé aucune perte en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels et une tâche de secours rendue difficile par le manque de bouches d'incendie. Quelle politique de développement en Afrique après 2014 ? La question était au centre des débats à Addis Abeba en Éthiopie. Les gouvernements réunis dans la capitale éthiopienne se sont engagés à mettre en œuvre une politique de développement fondée sur le respect des droits humains. Reportage à Addis Abeba avec notre envoyé spécial Delphine Bla. Des images flagrantes, choquantes, de pauvreté dans une Afrique toujours à la recherche de ses repères. Il y a 20 ans, la Conférence internationale sur la population et le développement avait décidé de façon concertée de faire de l'Afrique un continent développé où chaque personne compte. Mais les engagements pris par les pays n'ont pas été respectés. Nos États ont pris des engagements, mais qu'ils n'ont pas honorés. Au moins 80% des États n'ont pas mis en œuvre la CIPD. Donc c'est un échec. Notre souhait est que ces engagements ne soient pas de vœux pieux, mais que ce soit traduit dans les faits, que ce soit traduit dans des actions concrètes. Seulement des actions concrètes permettront à l'Afrique de sortir de la pauvreté. Déclaration d'Abdallah Hamdok, vice-secrétaire de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. À moins de 100 jours de la date butoir de la Conférence internationale sur la population et le développement, CIPD, il était important pour la CEA, la Commission économique pour l'Afrique, la Commission de l'Union africaine
et l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, de faire le bilan et de voir les perspectives. Sur la question de dividendes démographiques au service de la transformation du développement en Afrique, les participants à cette conférence régionale ont exposé les maux qui minent l'Afrique et ont adopté une position commune après un huis clos qui a duré plus de 3 heures. La déclaration d'Addis a abouti sur des grands principes qui sont la bonne gouvernance, le respect de la dignité et l'égalité, le respect de la maîtrise des droits de l'homme et donc la santé. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, qui a mis en place l'Office national de la population, nous ferons de cette charte, lorsqu'elle sera adoptée par les chefs de l'État, une feuille de route avec des indicateurs qui nous obligeront vis-à-vis du gouvernement. La Côte d'Ivoire et une cinquantaine de pays africains déterminés à mettre en œuvre le programme d'action de la CIPD sur le continent. Les conclusions de cette conférence d'Addis Abeba seront reprises lors d'une session extraordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU consacrée à l'avenir mondial de la CIPD prévue en septembre 2014 à New York. La campagne Café Cacao est officiellement ouverte avec le prix du cacao relevé à 750 francs CFA contre 725 francs l'année dernière. Quelles sont les retombées pour les paysans? Le dossier de la rédaction est signé pour vous, Eugène Atoubi. Dans les locaux de la délégation régionale de Soubré du conseil Café Cacao, on s'active. Les agents contrôlent qualité-prix préparent à qui mieux leur visite de terrain. Ces fonctionnaires assermentés ont consigne de faire appliquer la réforme en tous ses points dans les milieux des producteurs et des acheteurs, dans les zones de production de Soubré, Meyagi, Buyo et Gueyo. On leur dit non, il faut cabosser, il faut fermenter pendant 6 jours, il faut sécher pendant 6 jours. On fait les prélèvements de leur échantillon aussi pour voir si leur cacao est de bonne qualité. C'est pour que d'abord le paysan à bord champ fasse la bonne qualité d'abord, avant la commercialisation du cacao. La qualité, c'est une obligation pour chacun de nous, c'est de fermenter, bien sécher, bien trier avant de faire venir ça à la coopérative. Et si c'est, le cacao est de bonne qualité, les exportateurs peuvent nous convoiter. L'année dernière, la qualité était vraiment, il n'y a rien à signaler. Et je pense qu'on va continuer dans ce sens. Puisque quand la qualité est bonne, là on peut parler du prix. Voilà, les chefs d'État et le gouvernement peuvent aussi négocier pour que les producteurs en bénéficient. Donc nous, à notre niveau, nous faisons la sensibilisation avec le conseil du café cacao pour que la qualité s'améliore de plus. La qualité, mais aussi le prix qui fait l'objet d'un contrôle rigoureux. 750 francs bord champ, le prix du cacao bien séché, bien trié et bien fermenté contre 725 francs l'année dernière. Une hausse de 25 francs mais qui n'emballe pas les producteurs. Ils attendent mieux, disent-ils, au regard de tous les efforts et sacrifices consentis pour répondre aux exigences de la réforme de la filière café-cacao. Les producteurs ne cachent pas qu'ils sont contrariés. Les planteurs attendaient plutôt 800 francs et malheureusement, on vient de nous annoncer que le prix du cacao est à 750. Mais on continue de travailler, faire de mains et pieds, mais on a des problèmes. On ne peut pas acheter des entrées actuellement. Et puis les plantations sont tellement sont vieillissantes. Ça fait qu'on ne peut pas acheter aussi de l'engrais pour pouvoir améliorer la production. En tant que coopérative, on avait pensé qu'au moins on allait avoir peut-être 100 francs de marge. Mais bon, fin de compte, ils ont maintenu les 80 francs. Vraiment, ça nous fatigue beaucoup parce que les dépenses sont énormes. Nous allons continuer encore à augmenter les 25 francs, les 20 francs pour encore motiver nos producteurs et continuer encore à distribuer les intrants des produits phytosanitaires. Nous allons continuer à redoubler les mêmes efforts. S'il n'est pas question de baisser les bras. Depuis l'annonce officielle du prix du cacao à 750 francs CFA, garanti par le conseil Café Cacao, des campagnes d'information et de sensibilisation sont en cours par la délégation régionale de Soubré, avec l'appui du Collège des Anciens de la très respectée Association des planteurs de Meyagi. L'enjeu, rassurer les producteurs sur l'intérêt d'une totale adhésion à la réforme et la promesse de l'amélioration au quotidien de leurs conditions de vie. Aujourd'hui, quel prix est respecté là? On n'a qu'à prendre ça. Ça ne peut pas rester sur ça.
À la salle, il ne peut pas diminuer les prix. On s'en va devant un peu, un peu. C'est bien ce que le président est en train de faire. Petit à petit, ça va aller. Nous avons créé un cadre d'échange entre les différents opérateurs pour régler les différents problèmes qu'on pourrait rencontrer sur le terrain. Dans ce cadre d'échange, nous avons les pisteurs, les acheteurs et les coopératives qui sont les véritables acteurs de la communication intérieure et également les pisteurs et les autorités administratives et les forces de défense et de sécurité. Ce qui nous a permis quand même d'atteindre des résultats satisfaisants pour cette campagne. Nous allons également faire en sorte que la sécurité de la commercialisation soit assurée dans toute la région. Le Conseil du café et du cacao, région de Soubré, s'illustre par sa stratégie de persuasion. Le fait est que les producteurs et les acheteurs entretiennent l'espoir en ce début de la traite cacaoyère, l'espoir d'une réforme profitable à tous les acheteurs de la filière. Mais ils souhaitent que certains obstacles et freins soient levés au plus vite. Il s'agit notamment du retard dans la distribution des sacs de conditionnement et produits phytosanitaires, les routes surtout, dont la réhabilitation est appelée de tous leurs voeux. Et c'était le dossier de la rédaction avec Eugène Atoubé. Hors de la Côte d'Ivoire, en Libye, le Premier ministre Ali Zeidan, libéré quelques heures après son enlèvement à Tripoli, le chef du gouvernement libyen de transition, avait été enlevé tôt ce matin par un groupe armé à Tripoli. Une arrestation revendiquée rapidement par l'ancien groupe rebelle de la Chambre des opérations des révolutionnaires de Libye. Aussitôt libéré, le Premier ministre libyen a appelé au calme. Et ce télégramme du président de la République Alassane Ouattara adressé à Sa Majesté Juan Carlos, roi d'Espagne. La célébration de la fête nationale de votre pays m'offre l'agréable occasion de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations. En cette heureuse circonstance, je forme des vœux ardents de santé et de bonheur pour votre Majesté, ainsi que de prospérité, de concorde et de paix pour le peuple ami d'Espagne. Merci de votre attention.